Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une game de League of Legends. La game a chargé super vite. C'est ça que je dis dans le chat, c'était hallucinant. Et donc on va continuer la série spéciale Harry. On va jouer en top lane de nouveau. Donc deux games d'affilée en top lane finalement et deux games sur le BO. Alors malheureusement ce n'est pas... Alors si vous avez raté la précédente, c'est la numéro 8 de la série, on avait joué en top lane, première game du BO, je vais pas vous spoil le résultat. Et ensuite, on en a eu, j'en ai fait deux autres. En fait là c'est la quatrième game de mon BO, et sur les deux autres il y en a une, j'ai eu un problème de micro. On m'entendait pas pendant à peu près 80% de la game, et l'autre j'étais à 500 ping pendant toute la game. Je suis resté sur ma top lane à me faire outfarm et pendant que ma team était en train de se faire complètement éclater en 4v4, donc celle-là avait été hard lose et du coup on est en 2-1. Alors je ne vous dirai pas laquelle j'ai gagné, si c'était celle qui est sur YouTube, donc la numéro 8 ou pas. Allez voir la game, vous verrez un petit peu, c'était une game assez spéciale on va dire. Malphite jungle, le tank de notre team, qui fait que je ne regrette pas d'avoir pick une petite Harry top lane. Voilà, bon là on va le laisser parce que sinon je vais rater les clics. Je pense que le pool était pas trop dégueulasse. Je vais peut-être plus mettre une auto de plus. Alors Vladimir, un matchup complètement pénible. Puisque la force d'Harry en top lane, c'est quand vous jouez contre un perso qui n'a pas de range. Et malheureusement, Vladimir a de la range, moins que moi, certes, mais il a tellement de sustain que je n'aurai pas assez de mana pour le tuer. Voilà. Voilà le principe de Vladimir. Alors ça commence le farm exemplaire pour ne pas changer. On va aller chercher celui-là là-bas. Ok, il m'a vampirisé la tronche, c'est normal. Allez, une auto, pour au moins propre le décret, ça compensera le fait qu'il régène. Ah, le misclic sur le minion, j'ai pas plus de l'acide du coup. Là, je suis déçu. Je dépense énormément de mana et je rate les deux CS. Ok, je sens que je vais rater la cata. Parti comme c'est parti, non c'est bon. Déjà ça de prix. Alors le gank, non? Bon d'accord. Il joue juste bizarre, il s'avance énormément le Vladimir. Bon après il a pas trop peur. Il a pris pas mal de dégâts des creeps, mais il va régène. Il a. Ah oui, il a fait le départ boots masse potion. J'ai même pas vu. On va essayer de l'abuser, de le mettre sous tour. Je rate beaucoup de la stit. Beaucoup trop, ça m'énerve. Honnêtement, là, je tilte complet. Et je vais me faire ganker, en plus. Ah oui, vient le bloc creep. Je vais me faire ganker par Rengar. Non, ça va. Vas-y. Sérieux, tu me tues? Je pense pas, quand même. Non, je pense pas. Ok. Je sais pas si c'était ouf ce qu'il a fait parce que lui il perd du farm. Quoique non, c'était pas forcément ce tour. S'il a perdu, il a perdu du farm. Il a First Blood, donc il a plus de gold. Enfin, il m'a rattrapé avec ses boots. Hein. No flash top, on va le dire. Sait-on jamais. Et on va partir Abyssal dans cette game. Sinon il va m'ouvrir. Et on va prendre des boots et des potions pour tenir son sustain. Vladimir, ça va encore avant le niveau 9. Et alors à partir du niveau 9, j'aurai beaucoup de mal à le tenir. C'est pour ça que je vais faire un abyssal. Il a plutôt bien joué là en plus. Pardon. J'ai pas été excellent. Je les push en early pour au final... une énorme pression. Mince, les creeps l'ont tapé.
Donc ouais, il a un meilleur sustain de vie et il ne consomme pas de mana. Et à partir du niveau 9, quand il commence à avoir ses items de Vamp Spell, Volonté des Anciens, je pense qu'il fait en premier, ça devient très compliqué. Non, pourquoi j'ai auto? Oh non, 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 mais non, c'est pas possible, ce last hitting! Oh là 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 là, mais c'est... tellement horrible. Allez, allez, retour. Ça va te calmer. Morello peut être intéressant sur Vladimir. Contre Vladimir. On verra si je pars sur Morello plus tard ou pas. Notre midlaner a une Ignite, c'est Anivia. Je trouve qu'on a une compo qui se tient. Après Malphite Jungle, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais bon, ça reste Malphite, c'est fort. Moi perso, je le ban. Bon là, mon collègue voulait jouer, donc j'allais pas lui ban. Peut-être le tuer là. J'ai plus de mana. Mais je l'ai eu. Non! Ah, j'aurais peut-être dû claquer une pote. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. J'étais encore au milieu des creeps. Ah, j'avais plus de mana pour ne serait-ce qu'un Q-spell. J'ai raté mon bisou. Est-ce que j'ai mis mon bisou? Ouais, je crois que je l'ai raté. Ça coûte tellement de mana le bisou en early pot, c'est terrible. On fait Abyssal. Je vais pas partir sur le build séculaire. Je peux pas t'aider mec, je suis pas là du tout. Lol. Là là là, j'arrive. Casse-toi. Casse-toi. Opération sauvetage. Non, 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 casse-toi, casse-toi. Oh oui, 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 oui. C'est beau ça, c'est beau ça. C'est beau jeu, c'est beau jeu. Il le tue. Allez. Très bien. Replay. Opération, mission de sauvetage. Vlad a toujours pas de flash. Il me push en plus. Je dis qu'il a pas de flash pendant encore une minute. Du coup il faut encore le gank maintenant ou jamais. Et mince. J'ai focus le mauvais. La tourelle tape les creeps qui sont aux extrémités sur les ranges. Et bon bah, j'avais une chance sur deux. Elle tape très rarement celui du milieu. Des fois ça arrive, on sait pas trop pourquoi. Des fois la tourelle veut juste vous troll aussi. D'accord. Je pense que t'as perdu le trade. Après tu t'en fous parce que t'es Vladimir, mais... Ah, par contre là... Non mince, il y avait le creep. Ça c'est pas mal ça. J'ai la TP. Ah, c'est tellement dommage quoi. Est-ce qu'il va essayer de me gank, de me dive? Et vu qu'il a son ult, moi que je l'ai pas. J'aimerais avoir la mana pour un Q-spell. Avec la Doran, ça devrait le faire. D'accord. Très bien Vladimir, si tu veux. No flash top. C'est que du trade kill cette game. Il est revenu avec son flash, très bien. Mais non, mais c'est le talent, mais tu comprends pas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après t'es devant en farm. Et j'ai toujours pas mon Abyssal.
Oh, j'ai raté tellement de... Et je suis tout seul en lane et je rate du farm. Et ça, ça m'énerve parce que le farm mais... et la catapulte que je touche pas. Et du coup, il est largement devant là maintenant. Ça fait peut-être 5e que je joue, je suis absolument nul dans la site. Ouh, Azir, dommage. Back pas. Hein. Back pas. On a l'abyssal à la maison quand même. Est-ce que je peux attendre? Qu'est-ce que je peux attendre de plus? Les boots c'est 800, il faudrait 1500. Ouais, je suis à 9, je suis à 1000. Faut attendre les boots. Allez, aller-retour. C'est bon pour le moral au moins de mettre les allers-retours. Même si, je le répète, il s'en fout, car il s'appelle Vladimir. Voilà. Donc là, il est niveau 9. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il a les bottes en 2, pas moi. Il a pu s'enfuir. Tenter un bisou, il aurait pas poule de toute façon, parce que je n'étais pas en range. Ça se passe pas grand-chose, parce que si j'avais été en range, j'aurais mis un bisou. Et il aurait pas eu d'autre choix que de le pull, je pense. Et du coup, Malphite aurait peut-être pu ulti. Ah. Bon, les amis. Je peux pas faire mieux là-dessus. Ça me fait perdre énormément de mana. Mais j'ai plus rien, le problème, c'est ça le problème. J'ai plus rien et je suis oum. Mais que t'es con mon grand, mais que t'es con. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Eh oui. Eh oui, moi aussi j'ai un jungle. Ça, bon bah le Malphite a attendu, je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça de la dire. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il voulait me cancel mon bac peut-être? Je suppose que Malphite le connaît par cœur. Il le savait que ça allait être une tentative de cancel de bac. Et du coup, ça me fait un kill. C'est magnifique. J'aurais peut-être dû le laisser à Malphite d'ailleurs. Bon après j'avoue que j'ai mis tous mes sorts. Sans trop réfléchir. À peu près égalité au farm, il va en récupérer un petit peu là-dessus. Excusez-moi, petit quinte de tout. Azir en 0-3. Eh, hey, je pense qu'on est dans la bonne team. Et là, honnêtement. Si on passe à 2-2, la prochaine, ça va être la game du suspense. Ah, la catapulte est morte. Je vais le laisser push. Bon, je suis Harry. En 2 sorts, tout est clean. Et je perds rien. Est-ce que t'es sûr que tu veux le prendre ce trade mec? LOL. Ah pourtant j'ai de la résist magie quoi. Mince, je suis mort 100 fois mort. Waouh, il me défonce hein. Pourtant j'ai fait de la résistance magie quoi. Après j'ai pas de résistance magie dans mes rues mais là il m'a défoncé le power spike qu'il a eu avec Ah il a fait la grosse baguette d'accord. Je suis pas sûr qu'il puisse l'avoir. T'as ton ulti. Faut le surprendre avec ton. Il essaie de le tuer sans ulti, ça passe. Très bien. Très bien vu. Très bien géré. Bon bah il m'a ouvert. Très bien. Bon, un match-up que je n'aime vraiment pas au top 1 Vladimir. Comme j'ai dit, à partir du niveau 9, ça devient compliqué. Et là, on a vu les dégâts qu'il m'a collé. Moi, ouais, enfin, sur les trades, il met son sort, il perd quasiment pas de PV. Et il m'en enlève.
Et il a très bien géré le all-in, j'ai complètement chié mon bisou. Complètement. Donc en plus, si je joue pas très bien, ça va pas le faire. Après, bon. C'est un peu la lane du fil, du coup. C'est mine de rien, j'ai 4 kills et il en a 4. Truc improbable. Il se passe des choses sur une top lane. Genre, il y a... les 5... Non. Ah, par contre, ça, c'est pas cool. Oh oui! Pouh, je te l'ai mise! Allez! T'es déçu. T'avais pas d'ulti, là, mon petit Vladimir. Hein, t'avais pas d'ulti pour faire le malin. Et le mien, il est revenu à une seconde près. On remercie, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on remercie, mais c'était un miracle. À une seconde, ça s'est joué. Celui-là, il figure dans les best moves. Dans la compile du mois de la saison printemps. Printemps 2016. Allez, c'est le signe que ce BO est placé sous de bons auspices. On va le faire, le 3-2, on va le faire. Ça s'est tellement joué à une seconde, Oh. Ah, il était beau celui-là. On a une Anivia en 2-0-2, un Alphite en 3-0-2, un Ezreal en 2-0-0. Il n'y a que moi qui suis mort dans cette game, il n'y a que moi qui feed. C'est bien. Ma team est... Voilà. C'est ça le BO. C'est soit tu tombes sur une team full bonobo que tu peux pas carry. Soit ta team gagne toute seule. Même si tu fais de la merde. Allez, il est déçu, Vlad. Regardez comme il est déçu. Il veut multi là. Il veut moline. Ça se sent tellement qu'il veut moline. Non, je gagne le trade là. Oui. Eh oui, je gagne le trade. Tu te l'es pris, mon aller-retour. Qu'est-ce que tu fais, Vladichou, maintenant? Qu'est-ce que tu fais contre Marie? Le type est complètement en train de se chauffer parce qu'il a fait un double kill ultra lucky. Mais c'est pas grave. On va la gagner. On va aller sur ce 2-2 d'anthologie pour ce BO. Et je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver après ces records full bug qui m'ont bien déçu entre le micro et les pings. Bon, j'avoue que la game avec les pings surtout m'a déçu. J'ai pas mon flash, sinon j'aurais complètement flash in la cage, genre sans respect. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose. Ah non. Est-il un 9? Oh! Le shield de Tariq! C'est OP! Ouais, je vais... Est-ce que je vais mettre un bisou un jour ou... Est-ce que c'est autorisé que je mette un bisou un jour? Il a rien, il a pas de temps, les Ezreal qui passe à côté et Malphite qui est juste là. Il était en train de faire livrer ici, il était passé par là, c'était bon, c'était friki. Bon, j'ai pas mal de luck, hein. J'ai pas mal de luck sur cette game. C'est pas grave. On est là pour ça. J'ai même pas besoin de Bulma Harry tanky vu qu'on a Anivia qui est relativement off tank. Hein, séculaire. Bâton. Ah, elle fait pas le. Bon, elle fait Zonia, elle fait pas l'alarme. C'est un choix. Et allez. Et là ça vient grid. Et on arrive. La cavalerie arrive. Vous êtes où? Où êtes-vous? Rengar. Piti. Ah? Non? Je sais que t'es là. Je sais que je t'ai cage.
T'es dessus. Je t'ai bisou alors que t'allais être invisible. Bon, il était facile à faire celui-là. Parce que il est devenu invisible sous mes yeux en fait. Donc c'était facile. J'en ai fait un pas si mal il y a pas longtemps. Voilà, si tu arrives même pas à pull ça, je sais pas à quoi tu sers. C'est psychologique. Attention. Azir peut déward à distance avec ses soldats. Est-ce qu'on tente un bisou flashé? Bon, l'a tenté, on s'est complètement chié dessus, c'est pas grave. Ah, il a fait un petit pas chassé sur le côté, c'est de la triche. Voilà, on se venge. Bon, l'avantage c'est que vu qu'on a fait que se buter avec Vladimir en top lane, je suis overfed quoi. Donc comparé à Azir qui est au fond de sa game, forcément je le tue vite. Il n'a pas de résistance magie. Ah, il n'a pas de résistance magie, donc il se fait ouvrir. Du coup avec l'abyssal je fais quasiment des dégâts purs sur lui. Attention, il y a potentiellement Vlad en backup. J'ai ma TP. J'ai ma TP mais j'ai pas d'ulti, il y a Vlad en backup. Ok, Vlad est plus en backup, ça va. T'es prêt à TP du foyer là. Hein. Oh, cette game. La team est trop bien, j'adore cette team. League of Legends serait plus simple si toutes les teams étaient comme ça. Ah, t'es mort, hein. Faut même pas essayer de t'aider. Je sais qu'il y a Vlad dessus, on va pas grid. Même si j'ai l'abyssal, ça va vite les dégâts Azir. Azir Vlad. J'ai plus de flash en plus vu que je l'ai claqué offensivement sur un bisou flashé complètement raté tout à l'heure. Il a manqué un petit quelque chose là. Je sais pas quoi mais. Il a manqué un petit quelque chose, j'aurais pas dû. Oh là là. Ah mais on t'a pas dit que Taric c'était OP. Ouais, Azir, je pourrais jamais aller le chercher. Il a manqué, ouais, j'ai pensé que je touchais le retour sur la Morgana et en fait elle a esquivé. Si la Caitlyn me voit, on va multi. Très bien. Je suis parti sur quoi là sinon comme stuff? Je fais ça mais. Je sais pas quoi faire, je suis une grosse baguette. Allons-y. Est-ce qu'on fait Riley? Riley ça pourrait les embêter. J'ai envie de faire Riley, vu qu'on est de toute façon. Je pense que quoi qu'on fasse la game, ça devrait être bien. Ah non non par contre. Faut pas que j'ai du ping là. Voilà, ça redescend. Je vais prendre cette tour. Ouais, donc bon. Je me suis fait farm par contre par le Vlad vu que j'ai quitté la top lane depuis un bon moment. Me revoici donc en top lane. Pour essayer de reprendre ces 26 CS que j'ai en retard. Cette tour également. J'ai ma TP, hein, donc je peux être à l'opposé de ma team, c'est pas trop dérangeant. Qu'est-ce qu'ils font? Ça engage mais il n'y a pas moyen que je TP. Le Vlad est là. Ok. On va simplement se barrer. Ah oui, c'est vrai qu'il a Riley. Alors, ça va. Alors je vais dire qu'ils sont deux top. Et puis c'est vrai qu'il a la Riley, du coup, pour s'enfuir, c'est pas évident. J'ai encore mis un bisou dans le vide. Ce serait bien que ça descende au niveau des pings parce que je suis pas forcément très bien là. Est-ce que Rengar est là? Genre le mec qui va utiliser tout. Ouais, c'était pas Rengar mais il y avait quelqu'un. Genre le mec qui utilise toutes tes trinkets et dans chaque bush. Bon du coup ça fait un Drake. Tranquillou.
pourquoi pas. C'est le deuxième. Et on va rester pour farmer encore un peu. J'ai dit que je faisais Riley. Combien de Riley? Bah je l'ai. Je vais me faire dive. Je vais me faire dive et j'ai pas de... Je sais pas de... Ok. C'est bon. Il n'y a pas de... Il est là, il est là. Ok, il était là. Désolé, j'ai arrêté de regarder la map, j'aurais pas dû. J'étais concentré sur le farm. Mais Rengar était là, on est d'accord. Il me semblait que j'avais vu bouger dans les fourrés. Ma team carry de ouf. Ma team carry de ouf, quoi. J'ai rien à faire. Voilà, papa. Ouais, j'ai fait Riley. Bon. Pas un item que je fais habituellement. Un item qui reste très fort sur, sur Harry. Mais très utilitaire, on va dire. Elle a énormément de sorts AOE, hein, avec les 3 lucioles, plus les 3 lucioles sur chaque dash, plus le Q-spell qui touche beaucoup de cibles. Vous avez moyen de slow énormément les mecs. Plus utile que sur un Vladimir, finalement, pour les slow. Après, Vladimir a besoin de tanker un minimum. Ok. Ah, j'ai raté mon retour. Elle est slow, elle est slow. Pourquoi j'ai voulu bisou, j'ai voulu bisou flasher et je l'ai encore raté. Cette fois le bisou n'est même pas parti. Les mecs, vous l'avez tué trop vite pour moi là. Là, je ne peux pas suivre votre rythme effréné. What? Les dégâts. Azir. Welcome. Welcome to Azir. Oh non non non. Allez le slow. Froid. Tu es complètement tué. Oh joli wall. Par contre je rappelle qu'Anivia est fed et qu'elle a un 9. Ah non elle n'a pas d'œuf. Qui gagne? Qui gagne? Malfit qui gagne. Quelle surprise. Ah j'avoue que l'arrivée du Rengar m'a pas mis bien. Bon, peut-être pas trop trop lolo, faudrait la finir cette game. Ça reste Vlad Azir. Vlad Azir Kate late game. We should finish as soon as possible. Deux tours. Ça j'aime bien ce que fait la botlane pendant ce temps. Première T3 qui tombe donc. On va partir sur Zhonya. Je pense pas qu'il puisse gagner le Vlad. Un joli flash. Ah non. Il a pas gagné. Trop d'avance sur Ezreal tout simplement. Oh il a masse régène. Ah BOTRK d'accord. Ah, ça comme sur vous les mecs. Ou sur moi, mais je pense que c'est sur vous. Ouais, c'était un Ringo. Moi, bon, je vais essayer de forcer l'inhibe là, non? Là, je pense que c'est la meilleure chose qu'on a à faire, mais finalement, peut-être pas. C'est Anivia qui l'a eu. Comment elle a fait? Comment elle a fait? J'ai même pas vu comment elle avait tué. Elle a mis un glaçon? Probablement. Je l'ai pas vu. Au milieu de tous mes projectiles magiques, je n'ai pas vu le glaçon de la Anivia. C'était facile, hein, là, ce que j'avais à faire. Il fallait juste pas que je rate le bisou. Ah, on peut quand même taper l'inhib quand il y a la toile d'Azir. Intéressant. Ouais, ça me semble logique, mais... Avec le recul maintenant, mais... Intéressant. Bon, voilà, on va la finir tranquillement. Hein. Ouh, t'as eu chaud. On en parle du fait qu'elle a disparu ou...
Regardez, le slow à non plus finir. Ah non. J'ai mon ulti très bientôt. Ulti Taric sur lui-même. Chelou. C'est mal ça. Hein. Ça fait mal à dire. Hein. Regardez ça, ça fait tellement mal ce champ. Qu'est-ce qu'il fait? Bah il est mort. C'est sérieux là, j'ai pris le mur d'Azir alors que j'ai jump là, à travers ce mur là, et j'ai pris le mur d'Azir. Sérieusement quoi. Bon j'ai mis le bisou quand même sur la Kate, mais oh putain, la hitbox de ce wall quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive en plus. Dommage. Bon, je me suis un peu relâché de toute façon sur la game. Mais je le répète, ça serait pas si mal qu'on finisse quand même. Je pense que Taric, tu peux te barrer, elle est morte. Ça gratte la T3. J'ai ma TP. Pas besoin de TP. Ah. J'aurais utilisé la TP. Azir a plus de range que moi, mais on peut peut-être le catch. Ouais, les lucioles sont pas parties. Je ne suis pas avancé suffisamment. Ah, là par contre, il me voit. Oh, sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? What is the plan? Soazir est revenu dans sa game. Hein. Bon. C'était en mode non-respect, mais je vais me prendre un nul de Kate et j'aime pas ça. Bon, j'ai la team pour me protéger. J'ai pas mon Zonia, c'est dommage. Tu peux aller vite. Oh putain, je dégage la Kate. Qui gagne entre Taric et Rengar? Moi je pense que c'est Taric. ouais c'est Taric. Et ça l'ulti Taric sur l'ulti Vladimir, c'est pas mal. Hein. Là on est immortel. J'ai fait un dash n'importe comment. Oh lui nous en veut lui. Ah. Ah. Il n'en a rien à battre de mon Riley. Lui il tue avec ses soldats. On a pris les tours. C'est tellement what the fuck la fin de cette game. C'est dommage parce que on aura fait des trucs jolis sur la lane. Même si on n'a pas raté ce trade kill avec le Vladimir comme il l'a fait remarquer. La team a fait une super game à côté. La fin est un petit peu plus YOLO on va dire. Mais bon, ça reste une game sympa quand même. Je suis mort que 3 fois finalement depuis la phase de lane. Je suis mort 4 fois en phase de lane. C'était n'importe quoi cette game quand même. C'était n'importe quoi. Mais bon voilà, j'étais à 10-4, je passe à 11-7, c'est pas ouf. Alors, ils veulent vraiment pas finir quoi. Aucun respect.
They have no jungler. Go Nash. Médecin, le LOL est un peu trop. Attends, c'est le game, what the fuck. Bon, les mecs, faut faire un catch, faut tuer leur jungle avant d'engage le Nash. Ah bah c'est bon. Le raid s'en est chargé. Sérieux, non mais comment tu peux te faire exé par le raid sur un tel timing? Ils savent qu'ils ont perdu la game assez largement. Il reste pour ne pas sur-raid, mais... Double kill! Histoire de soigner le KDA, tout va bien. Le petit combo. Ah, oh, Azir! Bon, vas-y, je m'en fous. Il m'énerve. Il va me tuer, en plus. Il va me tuer sans que je puisse le toucher. I need stacks. Ah, parce que tu joues Medjay. Ah oui, d'accord, tu viens de l'acheter. Putain, il n'y a plus de respect dans cette game. Il n'y a plus de respect. Voilà, le bisou doré. Bon. Merci à ma team de m'avoir carry, ça fait plaisir finalement de pas avoir que des teams bonobo sur le VO. Non, j'ai vraiment eu trois teams très compliqués, ouais, très compliqués sur les trois games. Bon, j'en ai gagné une sur les trois, j'ai réussi à tenir. Sur celle qui était serrée, à peu près tenir la baraque. Et celle-là, j'ai pas eu grand chose à faire. Et ce qui est marrant, c'est que toute l'animation était sur la top lane. J'ai passé sur l'écran des stats, mais il n'y a pas grand chose à redire de la game. Ouais, donc pas grand chose à redire. J'ai eu mon S sur Harry, très bien, sympa. Et donc on est en 2-2, magnifique. Game de 37 minutes, mine de rien quand même. On va regarder les dégâts. Je dirais Ezreal puis Anivia. Peut-être l'inverse. Attention. Ezreal, puis Harry. Quelle surprise, quelle surprise. Bon, Vladimir, quand même. Ça reste Vladimir Azir en late. La game a duré longtemps. Ils ont pu se remettre. Et en dégâts tankés, Vladimir, normal. Vu qu'il n'y avait vraiment aucun vrai tank. S'il y avait Malphite, quand même, qui aurait pu tanker plus. Bon, au final, il n'a pas eu besoin. La team avait trop d'avance. En termes de gold... Oh. J'ai honte, hein. C'est la preuve que j'ai complètement arrêté de jouer quand j'ai vu que la game était gagnée. Depuis que j'ai quitté le top, en fait, j'ai complètement arrêté de farmer. C'est un scandale. 206 CS en 37 minutes, c'est un scandale. Enfin bref. Après, j'avais pas super bien farmé en lane quand même. Soup with vegetables, et oui, tel est le pseudo. Ok, bon. Je vais pas faire le bilan de cette game, je pense que vous avez compris le principe. Hein, on était dans la bonne team, ça a carré dans tous les sens. On a eu quand même des jolis moves sur la top lane. Le match-up Vladimir Harry, je pense que j'en ai suffisamment parlé pendant la game. Il a pas trop mal joué, c'était intéressant. Et du coup, voilà, j'espère que la game vous a plu, que vous êtes amusé. Et on va se retrouver pour la prochaine. Et la prochaine, ça ne sera pas la moindre. J'espère vraiment que je n'aurai ni bug de micro, ni lag pendant la game, ni rien. Juste une game tranquille pour pouvoir faire ce finish, cette dernière game de BO qui va décider si on monte le compte en gold ou pas. On verra ça, donc j'espère vraiment qu'on pourra se faire ça sur la game numéro 10, donc la prochaine. Je vous donne donc rendez-vous pour cette fameuse game. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous, et à la prochaine. There's a reason.
Summer.